Waouh. Tiens. Non, les gars, Qnet, vraiment, c'est une magie. Nous disons merci au fondateur d'Atos Rivigier. Tano Landry. Toi, tu veux rester manger la ragouti à Yamzokro. Combien tu veux réaliser tes rêves? Parce qu'il y a des gens qui demandent le business. Quand ils ont juste une petite voiture, ils sont contents. Il y a d'autres aussi, quand ils mangent les agoutis tous les midis, ils sont contents. Et puis, il y a d'autres qui veulent rouler dans les Ferrari. Ok, Tano Landry, tu es le directeur de EVP Silla. Pardon, faut me faire honneur au moins. Tu n'as pas resté à Yamsokro. Quand tu passes, on dit le boss, il est content. Tu construis ta maison quand? Tu es dans la vidéo. Dis-moi. Jusqu'à fin d'année, on va réaliser tes rêves. Inch'Allah. Faut bien parler, je n'ai pas compris. Tu n'as pas parlé à la fois. Tu dis quoi? Faut pas. Inch'Allah, on va réaliser tes rêves. Il n'y a pas Inch'Allah. Dieu a déjà tout créé. Faut enlever Dieu dans tes affaires. Inch'Allah. Faut enlever Dieu dans tes affaires. Enlève Dieu dans tes affaires. Faut laisser Inch'Allah là. Bon, on va réaliser ses rêves. Non, toi et qui? Il n'y a personne avec toi. Je vais réaliser ses rêves. Mais pourquoi tu refuses ta responsabilité? Bene, ça c'est la mannequin internationale. Elle a eu un joli bébé. Je viendrai te saluer. Ok? Donc les gars, c'est ce business, hein. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Donc je vous remercie, que Dieu vous bénisse.